l'air de mourir quand même là. Hein. What? Ah, quand même! J'ai cru qu'il allait comeback, bordel. Je sais qu'on peut peut-être le sauver, mais j'aime bien me battre contre les adversaires, un peu les boss et tout, tu vois. Putain, c'était pas mal en vrai, la musique et tout. Mais comment il arrive à mettre autant d'émotions dans son jeu? Qui m'appelle? Oh, salut! Quoi de neuf? Oh, les mecs, Papyrus, c'est le meilleur. C'est le mec le plus drôle du jeu, les mecs. Je me disais, on devrait peut-être se faire un truc, toi et moi, non? Et Undain, je suis sûr que vous entendriez super bien. Retrouve-moi chez elle pour un peu plus tard. Il y a écrit quoi en haut, les mecs? Simu? Ea? J'arrive pas à lire. Simu Ea? Bienvenue? Ah oui. Putain, mais pourquoi il y a de la lave, par contre? Oh, c'est important de s'hydrater, les mecs. C'est une fontaine à eau. Prendre un verre d'eau. Toujours. Vous prenez un verre d'eau. Nice. La chaleur a fait s'évaporer l'eau du verre. Le verre, lui aussi, s'est évaporé. D'accord. Désolé. Undain nous a dit qu'il y avait genre un humain, qu'il y avait genre un humain dans le coin. Alors nous, les gardes royaux, devons genre bloquer les ascenseurs, quoi. Même si les ascenseurs ne fonctionnent pas, on se débrouillera. Mademoiselle Undain! Oh, what the fuck? Il est beau son laboratoire en vrai. Il s'est fait chier en graphisme là. Oh, c'est quoi ça? Tralalalala, je suis le passeur. À moins que je ne sois une passeuse, cela n'a pas grande importance. Le mec. Eh ouais! J'adore voyager à bord de ma barque. Vas-y, hein. Où allons-nous aujourd'hui? Ah, c'est pour me TP. Ok, GG. Merde, putain, je peux pas revenir en arrière. Je vais tester les chutes pour voir. Oh, sa mère! En fait, je sais pas comment dire, mais le jeu, il est moche et beau en même temps. C'est inexplicable. Reviens donc une autre fois. Par contre, reste là, parce qu'en fait, je vais repartir, là. Faut juste s'accrocher au début, mais clairement, pour l'instant, c'est vraiment un énorme banger, tu vois. Je sais que je suis en train de faire une... J'ai de la chance de le découvrir, en fait. Comme j'aurai la chance de découvrir Breath of the Wild ou ce genre de bail. Attends, on est en train de me scout à la cam, là? Ouais, salut, c'est moi. What the fuck? Les amis, roleplay d'un viewer dans un centre commercial. Il fait trop sombre pour voir de près les murs. Oh putain. C'est quoi ça? Il est moche! On dirait le père de l'enfant, vous trouvez pas? Oh mon dieu! Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite! Je ne me suis pas douché et à peine habillé, c'est le désordre! Ça vous va la voix, les mecs? Combien sur 10 la voix? Salut! Je suis le docteur Alphys et moi le scientifique Royal Dusgore! Mais je ne fais pas partie des méchants, hein! En fait, depuis ta sortie des ruines, j'ai observé ton voyage à travers ma console! Tes combats, tes amitiés et tout, quoi! Et au début, je pensais t'arrêter, mais. Servir une personne à travers l'écran la rend vraiment plus attachante! Alors, maintenant, je veux t'aider. En usant de mon savoir, je peux facilement te guider dans. Calciter! Je connais un chemin vers le château d'Asgore sans aucun problème! Sauf que, bah, en fait, il y a un seul petit problème. Il y a longtemps, j'ai construit un robot nommé Métaton. Je l'avais construit pour être un robot de divertissement au départ. Et tu sais que, comme une star de télé-robotisée, quelque chose du genre, toujours est-il que récemment, j'ai décidé de le rendre plus utile. Tu sais, j'ai juste quelques petits ajustements, quoi. Genre, des fonctions de combat anti-humain, quoi. Oui, bien sûr, en te voyant arriver, je me suis tout de suite dit que je devais retirer ces fonctions. Cela dit, j'ai dû faire une toute petite erreur au passage et... Maintenant, c'est une machine à tuer incontrôlable assoiffée de sang humain. D'accord, donc là, t'as créé un monstre qui veut juste m'exploser. Ah. Non, il est pas déjà là, là. T'as entendu ça? Non, mais c'est quoi ça? Oh non! Oh oui! Bienvenue, mes jolis. Au jeu télévisé du jour! Oh là là, cet épisode s'annonce grandiose! C'est moi qui vous le dis! Un tonnerre d'applaudissements pour ce fabuleux humain qui sera notre candidat! Un maximum de claps dans le chat! Oui, bonjour! C'est pourquoi, les mecs? Il n'y a qu'une seule règle! Répondre correctement! Ah, mais ça, c'est impossible que je force! Ou mourir! Ok, on va faire attention. Métaton attaque! Ok, mais je l'attaque ou pas, moi?
chouiner. Les règles stipulent que seul Métaton a le droit de se donner en spectacle. Commençons en douceur. Que gagnes-tu pour chaque bonne réponse? La clémence. Ah, que tu crois, tu as tout faux. Attends, mais quoi? Quel est le nom complet du roi? Ah, je l'ai. Asgore Dremur. Le quiz se poursuit. Assez parlé de toi, parlons un peu de moi. De quoi sont faits les robots? Metal Machine. Autre question facile. Un train A et un train B quittent leur station respective à la même heure. Les stations A et B sont séparées par 900 km. Le train A roule à 100 km vers la station B. Les deux trains partent simultanément à 10h. T'es un fils de pute! Désormais 10h. Mais putain, mais c'est impossible! Putain, j'aurais dû flipper une réponse! Il m'a arraché la gueule! Combien y a-t-il de mouches dans ce pot? Mais putain, mais c'est quel fils de pute! 55, au talent. Les mecs, il est en train de m'arracher là. Appel à ta mémoire. De quel monstre s'agit-il? Ça, c'est Croix-Pot, ça. Quoi? Non, mais c'est bon! Le mec, il triche! Non, mais il triche là! Embrasserais-tu un fantôme? Carrément. Ok, exceptionnel. Les mecs, faut peut-être que je l'attaque, hein. Merde, j'ai oublié d'attaquer. Combien y a-t-il de lettres dans mes talons? Non mais c'est... C'est pas possible, il se fout de ma gueule. Ah oui, il prend pas de dégâts. Dans le dating simulator Miu Miu Mimi Bisou, quelle est la nourriture préférée de Miu Miu? Alphys? Tu ne serais pas en train de lui donner des indices des fois? Oh mais il fallait me le dire tout de suite, je vais donc poser une question dont tu connais forcément la réponse. Pour qui en pince le docteur Alphys? Moi! Yes! Ce narcissisme! J'adore! Et bien que tu sois à côté de la plaque, ta réponse mérite considération. J'ai pu la voir te surveiller. Bon! Si le docteur Alphys continue de t'aider, il n'y aura plus du tout de suspense. Allez mec, les questions sont impossibles. Ceci n'était que l'épisode pilote. Au programme, la prochaine fois, du drame, de l'amour et de la violence. A très vite. Les mecs, je n'ai rien compris, je me suis juste fait arracher le boule. Bon, eh bien, c'était quand même un sacré numéro. Alphys te montrait des réponses? Ah, j'ai pas vu. Les mecs, j'y suis allé au talent, j'ai pas vu qu'il y avait des réponses. Ah, j'ai rien vu, les mecs. Il a réussi sans la strat. Franchement, je me suis bien battu. Allez, c'est pas ton donner mon numéro de... au cas où, quoi. Si tu as besoin d'aide. Tu veux me pécho, quoi. Faudrait que tu mates le replay, c'est incroyable. En vrai, attends, c'était vraiment voyant, quoi, elle donnait la réponse? Ça, c'est Croix-Pot, ça. Combien y a-t-il de mouches dans ce pot? 55, au talent. Je suis intenable! Je rate des dialogues, je suis intenable, les mecs! Le backseat est impossible! Je t'ai aussi créé un compte sur notre réseau social. Numéro 1, Undernet. Oh, stylé! Dorénavant, notre amitié est officielle. Ah oui, t'as créé Facebook de là-bas, quoi. Il faut que j'aille aux toilettes. D'accord, mais t'es pas un peu vieille pour sortir avec moi? Et cette grande caméra pour me regarder pendant que je dors et tout, là, c'est... C'est pas un peu bizarre, docteur Alphys? Un petit peu sus? Le réfrigérateur est rempli de nouilles instantanées et de soda. Vous prenez les nouilles. Et pourquoi il y a un trou dans... Ah oui, c'est Métaton. Il a pété. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est aux toilettes? On peut voir des pieds jaunes se balader derrière la porte. Droite ou en haut? Vas-y, en haut. C'est quoi cet endroit de zinzin, là? Substance rose et visqueuse dégouine de cette machine. On dirait la table de travail d'Alphys. Il y a des lettres de monstres ici. Croix-Pot, Colis ou Commandog. Commandog, il est mort, hein. Je préfère le prévenir. Merci Biron pour les 2 mois, merci beaucoup. Oh putain, on est sorti du labo, c'est bon. Alphys a changé son statut. Non mais l'autre, il est sur Facebook, Alphys. Il va me mettre en couple. Ah, j'avais pas vu Undyne combattre l'humain. Il vient de tweeter, il vient de... Bof, elle est imbattable, je lui demanderai plus tard. Ah ouais, elle est imbattable, t'inquiète, clin d'œil. Pour le moment, je dois appeler l'humain et le guider. Les mecs, il va changer son statut toutes les secondes ou il va me péter les couilles Volcalin, je vais lui arracher sa mère. J'ai besoin de sang. Merde, j'ai raté mon attaque. Ok, Volcalin, on se calme. Ok, pas mal. Ok, c'est facile. On va arracher la gueule d'un Volcalin. Oh, 70 XP, ça me met bien ça. Alphys a changé son statut. Je vais l'appeler dans une minute. Smiley. Ouais.
Je déteste utiliser le téléphone, je veux pas le faire, PTDR. PTDR. C'est quoi ça? Un avion, y'a quoi dessus? Mais c'est quoi cette merde? C'est tanky en plus. Non mais les mecs, what the fuck, attends, c'est énervé par contre là. Wow, faut vite le tuer là. Oh putain. Ok. Y'a quoi ici? R? Ah si, y'a un truc. Un truc caché, j'ai l'impression. Ouah, ça, c'est quoi ce labyrinthe? Oh, y'a un truc, une poêle. Y'a une poêle à frire. Voulez-vous la ramasser? Attends, c'est peut-être des dégâts ça, les mecs, hein. Attaque 10! Ces dégâts sont constants, la nourriture soigne 4 PV de plus. Mais c'est broken! Ok, c'est bon, j'ai fait tout le chemin, les mecs. Je suis pas perdu. What? Pyrolier? What? Oh, je m'y attendais pas, mais j'ai eu le réflexe. Première fois que ça me propose... Attends, mais faut faire quoi, là? Ah, mais faut que j'esquive. Mais attends, mais what? Mais... Quoi? C'est inesquivable! Alphys a changé son statut. OMG, j'ai la griffe sur la dernière touche depuis 5 minutes. Oh my OMG, bordel. Ah bah il m'appelle du coup, hein, comme convenu. La personne qui a appelé a raccroché avant que vous ne puissiez répondre. Mais attends, mais il est stressé ou quoi? Oh mais putain. Eh salut, c'est... Alors les lasers bleus, je veux dire ici Alphys, bonjour. Les lasers bleus ne font pas mal si tu ne bouges pas. Pour ceux qui sont oranges, tu dois être en mouvement. Et ils ne te feront pas de avance à travers les lasers, quoi. D'accord, Alphys. Attends. Alphys a changé de statut. OMG, je l'ai fait. Les mecs, le mec, il tweet deux fois par seconde, j'en peux plus. Mes griffes n'avaient pas autant tremblé depuis que Undaim m'a demandé la météo. OMG, il l'a fait. Donc là, faut bouger. Attends, il n'y a pas de météo ici. Pourquoi elle m'avait appelé? Attends, mais les mecs, j'ai jamais vu quelqu'un qui tweetait autant, là. Oh, mon level, par contre. Oh, c'est dur. Oh non. Oh putain. Je me suis fait rafaler le cul. C'est un interrupteur. Alphys a changé son statut. Oh mon dieu, j'ai oublié de lui dire où elle est. Ah bah putain, mais rappelle-moi. Photo trop mimi de moi à l'instant. Eh les mecs, je vois trop Alphys avoir lâché un énorme selfie comme ça là. C'est la photo d'une poubelle mais avec des filtres roses. Oh j'en peux plus. Ici Alphys, la porte au nord reste verrouillée tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas résolues. Je pense que tu devrais aller à droite d'abord. Ok frérot. C'est quoi ça? La route vers le boulot est bloquée, j'ai suivi l'émission de Métaton sur mon portable. Ah oui, c'était moi les mecs qui me suis fait rafaler dans l'émission. Cet humain semblait quasi réel. Ouais ouais, t'inquiète. Métaton? Ouais, c'est la star la plus populaire de l'outre-monde. Son fan club doit avoir au moins deux, dont allez, 3 douzaines de membres. Alphys, j'en peux plus! Laisse-moi jouer, putain! Je me demande si ça va gâcher le plaisir si je l'aide. Putain, mais laisse-moi jouer. C'est ça l'énigme? La porte qui mène à l'autre zone est fermée, du coup j'ai essayé l'énigme. Mais j'étais sans cesse à court de munitions et ça redémarrait à chaque fois. Et mes deux collègues ne m'aident pas, c'est comme si ça les embêtait de travailler. C'est quoi l'énigme? Je m'en occupe. Quoi? Attends, les mecs, je suis censé comprendre un truc, là? Ok, en fait, quand je bouge haut, ça fait tout le monde vers le haut. Attends, mais... Attends, il y a un indice à gauche, là. Tirer sur le vaisseau ennemi, déplacer les boîtes pour compléter la mission. Ah, le vaisseau est de l'autre côté! Ok, donc en gros, il faut que je fasse ça, ça... Attends, faut que je laisse le truc du milieu open. Attends, mais c'est impossible. Attends. Faut que je tente un tir pour comprendre le jeu. Ah mais c'est bon. J'ai 2 munitions. Waouh, tu l'as résolu. Je suis impressionné. Ton surnom c'est genre Jojo l'Intello. Non. Attends, j'ai gagné là. Oh non, le jeu avait l'air trop bien, j'aurais bien voulu plus. Oh, je suis dégoûté. Croco l'Intello, ouais. Ring. Me voilà, c'est Alphys. Il semble impossible de passer au travers de ce laser bleu, mais en tant que scientifique royal, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais pirater la base de données de Calciter et les désactiver.
Eh bien. On traînait dehors tranquille quand soudain toutes ces énigmes se sont réactivées. Enfin quelqu'un a désactivé ce laser. Vas-y, je vais résoudre l'énigme de gauche. Ouais, de gauche. Oh putain. Oh, c'est le niveau dessus, les mecs. Oh, sa mère. Donc en gros, il faut que les noirs, il y en ait que deux pour que je puisse tirer dessus et que ça aille sur le vaisseau ennemi. Ah bah c'est bon. Les mecs, j'ai chaté, hein, je crois. Ah bah non, mais je suis con. Non, il faut qu'il y en ait qu'un, les mecs. Attends, mais c'est chaud, là. Oh. Ah non, c'est bon, je l'avais. Oh, j'ai déconné, je pense que je l'avais. Ah bah c'est bon. Je suis trop fort. Non mais les mecs, de quoi? Non mais je suis pas sus, ça a rien à voir. Bon, j'ai résolu l'énigme, c'est tout. C'est insupportable. Laissez-moi tranquille. Je suis trop naïf. Laissez-moi vivre. Ok. C'est parti. Alphys a changé son statut. Oh, et puis zut, je vais lui expliquer. Bon bah je vais recevoir un appel. Hein. Ouais, bah, je pense que, à propos des énigmes à gauche et à droite, elles sont assez compliquées à expliquer, mais... quoi, tu les as déjà résolues? Ah, d'accord, donc tu me pètes les couilles alors que tu... what? Il fait noir là. Il fait plutôt sombre, non? Tu trouves pas? Pas d'inquiétude. Je vais pirater le système des lumières. Ah oui. Ouf. Oh non. Oh non, 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 non! Bon allez, mes tatons. J'espère que tu vas pas me mettre trop cher. Bienvenue, mes beautés, dans l'émission de cuisine vedette. Je vais me faire rouler dessus. Robot tueur en cuisine. Nice. Préchauffez vos fours car aujourd'hui nous vous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer un gâteau. Pour ce faire, je serai assisté par nul d'autre que cet adorable humain. Veuillez l'applaudir bien fort. Un maximum de clap. Il nous faut du sucre, du lait et des œufs. Vas-y, mon sucre d'orge. Alors, du sucre et du lait. Ok. Des œufs. Tiens. Excellent travail. Pose-les au milieu de ce comptoir. Parfait, excellent travail. On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau. Du lait, du sucre, des œufs. Oh là là, mais attendez, un sublime instant. Comment ai-je pu oublier? Il nous manque l'ingrédient le plus important. Non, pas de l'humain. Une âme humaine. Oh putain. Non, laisse-moi tranquille. Ah. Allô? Ah là, je suis un petit peu occupé là. Attendez une seconde. Si tu utilisais un substitut pour la recette. Un substitut? Tu veux dire utiliser un ingrédient non humain? Et pourquoi? Imagine que quelqu'un soit genre amoureux, genre végétalien. Ah bien vu. Végétalien? Bah oui, disons que... C'est une brillante idée, Alphys! En fait, il se trouve que nous avons pile ce qu'il nous faut ici. Le substitut super pratique sauveur d'âme humaine MTT. Dont en boîte se trouve justement là-bas. Dont une boîte se trouve justement là-bas. Ah bah Pixel! Ouf! Ça m'arrange parce que j'avais pas très envie de mourir. Par ailleurs, notre émission a un planning très serré. Tu peux pas obtenir la boîte de conserve en moins d'une minute. Nous devrons nous contenter du plan initial. Non, attends, tu te fous de ma gueule. C'est quoi ce prank? Tu ferais mieux de... Attends, faut juste que je grimpe. Non mais attends les mecs, ils se foutent de ma gueule le jeu là. C'est quoi ce prank? Ok, on se concentre. Y'a plus assez de temps pour grimper. Mais attends, mais tu m'as dit une minute. Heureusement, j'ai peut-être une solution. Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques fonctions. Tu vois le gros bouton là sur lequel on lit? Jetpack? Observe. Ok. Il devrait avoir juste assez d'essence pour atteindre le sommet. Maintenant, monte là-haut, vite. Ok. Bah, je rush, hein. Oh putain, il est en train de me lancer des croquettes. Mais mec, je ne comprends pas ce jeu. C'est Undertale. Ah! J'ai pris une croquette. Putain, je suis une merde. Oh les mecs, je suis en train de prendre des trucs de... Imagine, y'a un mec qui arrive sur mon stream maintenant, genre. Mais attends, mais c'est impossible là! Si vous venez de cliquer sur ce stream, vous avez pas cliqué au bon endroit, les potes. On a un gros problème, vous et moi. Je ne sais pas à quoi je joue, mais j'y joue. Eh bien, on dirait que tu m'as surpassé. J'ai réussi, les mecs. Mais c'est seulement grâce à l'aide du brillant docteur Alphys. Et j'ose à peine imaginer ce qu'il serait arrivé sans son intervention. Sur ce, ciao, ciao. Oh, bah, on a réussi, je crois, hein. Et on a vraiment réussi. Un beau travail, partenaire.
Bien, eh bien, quoi qu'il en soit, continuons à avancer. Tu vois ce bâtiment au loin? Eh ben, c'est le noyau, la source énergétique de tout l'autre monde. Il convertit l'énergie géothermique en électricité magique. Grâce à... bref, c'est là où on se dirige, quoi. Dans le noyau se trouve un ascenseur qui mène au château d'Asgore. Et depuis là-bas, tu pourras rentrer chez toi. Putain, les mecs, quel jeu. Putain, j'aime trop ce jeu, c'est une dinguerie. Putain de merde. Veuillez choisir un étage. Étage gauche? Comment ça, gauche? C'est haut ou bas? Ça veut rien dire, gauche. Ah mais non, mais attends, mais c'est pas bon du coup, faut que je... Je viens de capter là. C'est pour revenir au plan, au point bas. Hein. Bah droite 2, j'imagine. Oh, un Jinjo, personne n'aura la ref. Moi c'est Touf Touf Flamme. N'oublie pas mon nom. Oh, Sans, le retour! Donc lui, les mecs, c'est le squelette giga feignant, genre, avec son frère Papyrus qui est complètement con. J'adore les hot dogs! Eh, hey, mais c'est bizarre qu'il y ait de la neige sur le toit du gars, non? J'imagine qu'il est juste trop paresseux pour l'enlever. Eh, petite tête, quoi de neuf? Un hot dog, ça te tente? Ouais, seulement 30 PO. Merci, le mioche. Voilà ton dog. Y'a pas un truc à faire, là? Il m'a juste donné un hot dog? Enfin, le mec se fout de ma gueule. Alphys a posté une photo dîner avec ma petite copine. La photo montre une figurine de Ficha à côté d'un bol de nouilles. Squelette BG95 a posté une photo. Squelette BG95. Alors on poste des photos sexy, ça c'est moi avec mon pote BG. Sur la photo, Papyrus montre ses muscles devant un miroir. Des biceps géants sont collés sur ses bras. Les biceps portent également des lunettes de soleil. Les mecs, je n'en peux plus de Facebook! Putain! Lol, c'est une blague j'espère. La seule blague ici, c'est la force démesurée de mes muscles! Putain, Papyrus, il est insupportable. Putain, mais laissez-moi Nastablook, c'est qui lui? Oh non, putain, c'est le fantôme! 100%! Ah non, si, c'est le fantôme. On dirait que la demande s'est refusée d'elle-même. Il y a un tablier par terre. Voulez-vous le ramasser? Tablier, armure, défense 11. Soigne 1 PV. Oh, mais c'est broken. Je l'équipe directement. Dring. Bonjour, c'est le docteur Alphys. Cette énigme semble basée sur le timing. Tu vois ces interrupteurs là-bas? Tu vas devoir appuyer sur les 3 en moins de 3 secondes. Je vais tenter de t'aider pour le rythme. Oh, mais attends frère. Ok, appuie sur le troisième maintenant. Et en plus, il n'y avait même pas besoin d'appuyer sur les 3. Putain, mais quel boulet, c'est une dinguerie, genre. Ça fait quoi? Je vais quand même appuyer sur les 3, on sait jamais. Ça débloque peut-être un truc. Waouh, 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 waouh. Alphys a changé son statut. Dernière fois que j'essaie de l'aider pour une énigme PTDR. PTDR! Oh, putain. Mais laisse-moi vivre! À plusieurs, on est fort contre le harcèlement. Je vais aux toilettes, donc je serai AFK, AFK un petit moment, ouais. Ok. Ah non, mais en fait, faut que j'appuie dessus, en fait. Voilà. Là, faut que j'appuie là, ça va aller. Ouah, wow, elle est super dure l'énigme. Non, j'exagère peut-être. Attends, on a un problème, mec. Ok, on a un giga problème. Ok, le début était bon. Il faut que j'aille en haut, là. Ah, putain, les mecs, quand je vais appuyer... Attendez. Je peux pas bouger? C'est mort? Peut-être que si je fais un deuxième tour, c'est équilibré. Attends, comment je peux faire? Voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et là? C'est pas grave, ça? Parce que je vais faire le chemin.
Mais ça sera pixel bon sens normalement. Putain, j'ai rien compris. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir dit un truc intelligent là. Là, il faudrait que quand j'arrive là, il soit vers la droite en fait. Donc là, attendez. Laissez-moi réfléchir. Là, il regarde à gauche alors qu'il faut qu'il regarde à droite. Mais c'est impossible. Ah, comme ça. Oh, je me sers un petit mur cassis parce que là c'était dur les mecs. Désolé, en vrai, je sais pas si vous l'aviez plus tôt, ceux qui l'ont jamais fait. Mais arrêtez de dire enfin les mecs, tout le monde a passé un moment quand même dessus, rassurez-moi, genre arrêtez. Ne joue vraiment pas à Professeur Layton. Mais je vais le faire les mecs, hein, ça va bien se passer. Hein. Les lézards ont fait fondre le fromage. Alfie, je n'en peux plus. Laisse-moi vivre. OMG, mais il ruine complètement tout l'arc de Miaou Miaou. Mais c'est un anime. Attends, mais c'est quoi? Ah, mais c'est un film. Non, j'en peux plus, mais putain. Alfie, ça. Mon avis sur Miaou Miaou 2. Non, mais les mecs, je... Miaou Miaou, Mimi Bisou 2, ni Mimi, ni Bisou. C'est naze, 0 sur 5. Ok, c'est pas lui. Ouf, les mecs, je vous jure que Alphys, je le déteste. Il faut le bloquer, les mecs. En vrai, faut que je regarde si je peux pas le bloquer. On a genre reçu des plaintes anonymes. Ouais, c'est moi, ouais. Mais bon, relax, hein. On va pas t'emmener dans un endroit sûr, ok? Quoi? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a, poteau? Le pull du fauteur de trouble? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est moi! Poteau, tu penses que... À ce que je pense? Trop la loose, c'est vraiment genre mais méga embarrassant. En fait, on va carrément devoir te tuer et tout quoi. Mais quoi? La garde royale attaque. Mais attends, ils sont ravagés la garde royale. Ok les mecs, je les reviens. 77. Ok, faut juste esquiver. Attaque duo. Waouh. Y'a pas les bords. Attends, j'ai trouvé un hack. Oh, je l'ai one shot. Enfin, j'ai two shot. Il est tout seul. C'est beaucoup plus facile. Bon jet, 82 de dégâts. Tu le tues pas? Oh non, la flemme. Enfin, c'est la flemme de pas le tuer. Ça dégage. Je décide qui on tue. Arrête de tuer tout le monde. Non les mecs, je tue pas tout le monde, vous êtes vraiment des menteurs. J'ai demandé comment l'humain s'en sort. Allez, je vais recevoir un drink là maintenant. Voilà. Ah non. Top 10 des séries qui vous distraient de votre fichu job. Les mecs, je vais le bloquer. Putain, je peux pas le bloquer, les mecs. Oh, j'ai besoin de lui, de toute façon, il faut qu'il me rallume la lumière. Ok, me revoilà. Une autre salle dans le noir. Hein? Bon, pas d'inquiétude. C'est déjà réglé. What? Oh non. Non mais putain. Ça me fume le moment où t'as la lumière et que tu te rends compte qu'il y a... Il y a ce putain de métatons là. Oh putain, je vais prendre... Oui mesdames et messieurs, bonsoir à tous mes belles et mes beaux. Ici Métaton en direct sur MTT News. Il se passe quelque chose d'intéressant à l'est de Calciter. Par chance, il s'avère que notre reporter s'y trouve en direct. Brave reporter, trouve-nous un scoop intéressant. Nos 10 merveilleux spectateurs t'attendent. Ah, mais je suis en train de jouer. Un scoop? Par respect des normes journalistiques, un champ de force mortelle entoure le lieu. Ok, je vais vous trouver un scoop. Les ballons, c'est l'éclate, pas vrai, Trésor? C'est bien triste que tu ne puisses pas jouer avec ceci. Ce sont des ballons de basket de mode, fabrication à imiter, à porter sur soi uniquement. Pour devenir aussi riche et célèbre que moi, il faut savoir embellir les balles. Faire un reportage sur les ballons. Non, je vais voir s'il y a autre chose, les mecs. Oh! Il y a mon dog! C'est le pet que j'ai sauvé. Mec, c'est quoi ça? J'ai pas envie, j'ai envie de faire sur mon chien.
L'occasion parfaite pour une histoire captivante. Quelqu'un part, un chien existe. Je trouve ça détonnant, honnêtement. Votre attention, cher public. Notre reporter a trouvé un chien. Le public en question queen d'attendrissement. Oh, pipou, il est tout pipou. Et oui, mes amis, cette histoire attendrirait même un cœur de pierre. Regardez ses petites patounes et ses petites oreilles, sans parler de sa queue toute douce. À l'instant. Mais ce n'est pas une queue. C'est une mèche. Quoi? En effet, ce chien est une bombe. Quoi? Mais ne paniquez surtout pas. Vous n'avez pas encore vu le reste de la salle. Comment ça, c'est une bombe? Oh, ciel! Il semblerait que tout dans cette zone soit en fait une bombe. Ce cadeau est une bombe. Ce ballon est une bombe. Même mes mots sont... Brave reporter, si tu ne désamorces pas toutes ces bombes, cette grosse bombe te réduira en miettes dans 2 minutes. Il y a écrit 5. Après quoi, pour les lives, ça risque d'être un peu mort, quoi. Quelle tristesse, quelle horreur! Nos 9 téléspectateurs vont vraiment adorer. Bonne chance! Attends, mais comment ça, 2 minutes? Ne t'en fais pas, hein! J'ai installé un programme de déminage sur ton téléphone. Appuie sur désamorcer quand la bombe passe dans la zone de déminage. Comment ça, la bombe passe dans la zone de déminage? Et comment je la prends? Ok. Comment je désamorce? Comme ça? Ok. Je pense que j'ai compris. Ok, ok. En bas à gauche? Tu parles de lui? Attends. Faut que je bouge pas, ça faut que je bouge. Ok. Putain, mais 2 minutes, ça va être chiant en fait. Ça me stresse là. Il me reste combien de temps? 49 secondes. Putain, quel animal. Vite, vite, vite. Il y a le bouquin ici. Oh, il y a l'eau, il y a l'eau. Oh putain, l'eau, elle est impossible à choper. Il reste combien de temps? 21. Mais attends, mais c'est impossible. C'est impossible! Il me reste 11 secondes! Mais attends, mais. Comment je vais choper l'eau? Va vers le centre, j'utilise un champ de force magnétique pour stopper le verre d'eau. En 11 secondes! Bah dépêche-toi, hein! Ok. Wouah! Toutes les bombes sont désamorcées. Si tu n'avais pas réussi, la méga bombe aurait explosé au bout de 2 minutes. Mais désormais, elle n'explosera plus dans 2 minutes. En fait, elle explosera dans 2 secondes. Ce fut un plaisir, trésor. Quoi? La bombe a un souci technique. C'est parce que... Pendant que tu faisais ton monologue, J'ai changé. Oh non, tu as désactivé la bombe grâce à tes talents de hacker. Eh ouais, c'est exactement ça. Malédiction, me voilà de nouveau traitement totalement désemparé. Maudit sois-tu, humain. Maudite sois-tu, docteur Alphys. Toi et ton aide précieuse. Mais je ne maudis pas mes 8 braves téléspectateurs pour leur fidélité. À la revoyure, trésor. Je sais que j'ai pas fait la meilleure première impression, mais je crois que je deviens beaucoup moins... Moins hésitante à te venir en aide, quoi. Elle ne fait pas attention à ce gros robot stupide. Hein. Je l'empêcherai de te faire du mal. Et s'il faut vraiment en arriver là, il suffira de l'éteindre. Non, rien. Oula, ça sent pas bon, là. J'ai remarqué que tu ne disais pas grand-chose. J'en peux plus de toi. Tu t'inquiètes à propos de ta rencontre avec Asgore? Ouais, plutôt, ouais. Ben, t'en fais pas, hein, d'accord? Le roi est vraiment quelqu'un de bien. Oui, d'accord, merci, il veut me prendre mon âme pour me tuer, ouais. Tu arriveras certainement à le raisonner. Attends, je vais pas le raisonner, le boss, je vais le tuer, je pense. Je vois pas pourquoi je raisonnerais le boss final. Hein. Attends, il y a des nouveaux trucs, là. Je crois que c'est gauche 3, hein, qui existait pas. Oh, sa mère, mais on est où, là? Oh, elle vend des trucs? Bienvenue dans notre salon, mon sucre. Désirais-tu goûter une de nos arachno-pâtisseries? Nos articles sont exposés sur la toile. Attends, comment ça, 9999 PO? Mais c'est quoi ça? Mais, sérieux, les prix, là? Ok, d'accord, c'est très sus, là. Oh non. Salut, c'est Alphys. Cette salle est comme celle qu'on a vue avant. Il y a 2 énigmes au nord et au sud. Tu vas devoir les résoudre pour continuer. Sinon, j'aimerais te dire que je n'aime pas vraiment donner les solutions des énigmes. Mais si t'as besoin d'aide, appelle-moi. En fait, attends, j'ai une idée. Devenons amis sur Undernet. Tu n'auras plus qu'à me bipper quand tu as besoin... Oh oui.
On est déjà amis. Oh non, mais putain. Tu lis mes posts depuis le début? Oui, connard! Bon, bah, j'espère que tu es du même avis, hein, pour Miaou Miaou 2. Non, mais mec, je n'en peux plus, genre. Ok, une énigme au nord. What? Oh! Vas-y, on va XP, hein. Par contre, il est dur à esquiver, lui. Je vais prendre Bagdad, là. Oh, la vache. Wow. Ouais, ça va, je me fais toucher qu'une... Oh, ok, deux fois. Reste plus que le petit chat. Le petit chat, ça va, en vrai. Les attaques, elles sont fine. Oh, j'ai failli me faire toucher à la fin. Oh, je l'ai one-shot, là. Oh, j'ai fait un jet de zinzin, là. Oh, putain, c'est encore ça. Excellent. Ah, j'aime trop ce jeu. Ok, j'ai combien de balles? Une. Putain, l'énigme, elle était gigalo, là. Ok. Ça a pas vraiment de rapport avec la situation, mais... Non, Andy, ça te dirait qu'on regarde une série télé humaine ensemble? Ça s'appelle Miaou Miaou Mimi Bisou. Oh, j'ai envie de lui dire non, les mecs, je n'en peux plus, je jure. Je suis désolé, je dis non. Eh bien, c'est pas grave. Je me disais juste qu'il fallait que je te demande. Mais je pense que tu pourrais vraiment aimer, hein. Laisse-moi tranquille. Ok, j'ai une balle. Mais... Attends. Ok, l'énigme est un peu plus dure. J'ai qu'une balle, hein, j'en ai pas deux, là. En fait, faut que j'en mette une là. Attends, déjà, la question que je devrais me poser, c'est... Oh, y'a un cactus! Merde! Ça, je vais faire le tour pour lui parler. Vous arrêtez pour sentir les fleurs. Putain, j'ai encore perdu du temps pour rien. Vous avez entendu? Apparemment, un humain en poulerier se dirigerait par ici. Attends, je vais me faire défoncer par une araignée, là? J'ai entendu dire que les humains détestaient les araignées. Ouais, c'est vrai, ouais. Qu'ils s'amusaient à leur arracher les pattes. J'arrive plus à avancer, les mecs. Non, là, les contes sont allés un peu trop loin. Hein. Moi, je les prends, je les mets dehors. J'ai entendu dire... qu'ils étaient radins comme pas deux. Rage, moi! Demande à mes potes si je suis rage. Avec la semaine dernière, permets-moi de te rassurer. Je crois bien que ton goût est pile ce qu'il manque à notre prochaine fournée. Le piège de Muffet se referme sur vous. Est-ce que je la tue ou pas? Je me dis qu'elle a des mauvaises appréciations sur les humains et vu que moi je tue pas les araignées dans la vraie vie, je me verrais bien tenter de pas la tuer, genre. Payez! Vous payez 10 points de knock. Muffet réduit son attaque pour un tour. Et tu vois bien que je suis paradin, je viens de te donner 10 gold. J'ai pas compris, là. Vous êtes piégé dans une étrange toile mauve. Vous vous débattez pour sortir, Muffet met sa main devant la bouche et se gosse de vous. Ah, ok, ok. Muffet vous verse une tasse d'araignée. 40 PO. Muffet réduit son attaque. Mais mec, je comprends pas, là, je la paye, mais... J'ai l'impression qu'elle s'en bat vraiment les couilles, là. Je me débats. Vous vous débattez pour sortir, Muffet éclate de rire. Te libérer, mais ne sois pas bête. J'aimerais bien qu'on se batte pas, en fait, toi et moi, là. 80 PO, putain, ça fait mal, hein. Il faut pas être rage, en fait. Ça va être basé sur mon argent et je vais être obligé de tout dépenser et pas être rage. Le bonheur de beaucoup d'araignées repose sur ton âme. Wow, frère. Wow. Vous payez 150. Oh, je peux bouger de gauche à droite. Putain, à l'aide. Oh putain, mais c'est trop bizarre comme jeu. Ah. Oh, c'est trop bizarre. Incroyable. Putain, mais j'arrête pas de payer là. Je vais me redébattre un coup. Vos pitreries amusent tellement Muffet qu'elle vous offre une réduction. L'individu qui nous a parlé de toi. Attends, elle commence un peu à s'ouvrir là. Bonne. Les araignées claquent des doigts en suivant le tempo. Attends, c'était 200 et là c'est 100. Peut-être qu'à chaque fois je me... Ah non, il m'a fait une réduction, c'est vrai. Tu nous as offert un paquet d'argent pour récupérer ton âme, dis donc.
Ouais, j'espère que tu l'as bien remarqué, ouais. Va falloir me laisser tranquille, hein. Mais claquez votre prime, là, moi je claque mon 400. Il faut se débattre, là. Attends, mais c'est pas possible. Je suis mort, les mecs. Je suis mort, les mecs, j'ai plus de thunes. Enfin, j'ai pas assez pour la paix. Merde. J'ai pas assez pour la paix. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Je ne peux pas payer. Vous videz vos poches, mais vous êtes à sec. Mufet baisse ses prix. Nice. Putain, il va nourrir son bébé, là. Non, mais le bébé, par contre, c'est vraiment pas drôle, hein. Il est vraiment trop fort. Oh, la vache. Oh, oh. Oh non, me dites pas qu'il va arriver, là. Oh non, c'est pas possible. Faut que je monte vite haut, là. Mais c'est trop long, frère. 40 PO, ah oui, t'as bien baissé, ouais. Grâce à cet argent, les clans arachnéens seront enfin réunis. 340, mais c'est pas possible. Je vide mes poches, ok, t'as baissé. 34. À supposer qu'elle passe sous la porte, le froid hivernal de Couvdé, je les tuerai. Pourquoi tu me racontes ta vie, là? Juste arrête de m'attaquer, putain. Encore un peu d'argent. Et avec le reste, nous pourrions même prendre de bonnes vacances, voire même nous construire un terrain de baseball. C'est vrai, ça, on en parle pas assez du terrain de baseball, hein. Putain. Toujours en vie? Oh mon bébé, c'est l'heure de ton dessert. Oh non, commence pas. Un télégramme en provenance des ruines. Quoi? Elles disent qu'elles t'auraient croisé et que tu as fait preuve d'admiration envers les araignées. Oui, c'est vrai, j'étais trop gentil vers les ruines. Mais sapristi, je crois qu'il s'agit d'un terrible malentendu en fait. On m'avait juré que tu haïssais les araignées. Cette personne qui m'a demandé de prendre ton âme, je crois qu'elle parlait d'un autre humain, un pull rayé. Oh mais navré pour toute cette pagaille. Pour me faire pardonner, tu es libre de revenir ici autant de fois que tu le veux. Tu pourras jouer avec mon familier. Je vais t'épargner à présent. On n'aura pas tué l'araignée, les mecs. Elle m'a mis cher, ouais. Je sais pas où elle est, on va la voir. C'est un poster promouvant la toute dernière représentation de Métatone. Il s'agit du conte tragique de deux tourtereaux séparés par le destin. Merci Croco de l'avoir sauvé, bah c'est mon... C'est ma run, les mecs, hein. La musique, ouais, elle était vraiment bien, la musique. J'avoue, elle était vraiment pixel, elle était très entraînante. Solide presta, les mecs, rien à dire. Validé. Oh non, 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 non! Serais-toi? Non, Métatron. Attends, mais. Non, mais attendez, les mecs, me dites pas qu'il est en train de se prendre pour Juliette, Métatron, là. C'est moi ou Métatron a une robe de mariée en train de me dire mon bel amour d'une tour, là? Non, mais les mecs, Métatron, il est ravagé, c'est pas possible, ce robot. Hein. J'hallucine. Imagine quelqu'un clique sur mon live là maintenant là. Il y a un robot en robe de mariée qui me fait un. Désespoir, tu meurs ce soir? Comment ça? Au revoir! Attends, oh, Métatron! Bouh, c'est tellement triste! Attends, il va me niquer là! Non, que vais-je faire? Mon seul amour qui va bientôt périr dans ce cachot. Et l'énigme qu'il renferme est si vile que seule la mort, mon âme sœur, y trouvera. Chacune de ces dalles a sa propre fonction. Mais je crois que je les connais, c'est... Les vertes produiront un son. Et tu devras combattre un monstre. Non mais je connais ce bail là, il m'a fait la même chose et c'était de la merde. Nous avons déjà vu cette énigme il y a une centaine de salles. Oui, exactement, oui. Mais oui, tu te souviens toujours des règles, pas vrai? Splendide. Donc inutile de te les répéter. 30 secondes? Attends, le bleu c'est l'eau, l'électrique c'est électrifié, faut pas aller dans le jaune. Faut pas aller sur une jaune et une bleue. Si jamais je vais sur l'orange, je sens le saumon, donc faut pas que j'aille dans l'eau. Je me rappelle un peu de ça. Ok. C'est quelle couleur le premier là? C-
saveur saumon, mais on comprend rien. Je vais éviter le bleu, les mecs. Hein. Ah, il y a les piranhas, ouais. Attends, j'ai 30 secondes. C'est impossible. Non mais attends, c'est... Attends, mais c'était impossible. C'est ma première mort. C'est la première fois que je vais perdre dans le jeu. Non, t'as pas le droit. Elles se rapprochent. Elles sont tout près. Ça ne devrait plus tarder. Attends un peu, je vais te sauver. Je suis déjà en train de hacker le système de pare-feu. Mais non, mais comment cela peut-il? Battu de nouveau par le brillant docteur Alphys. Attends les mecs, vraie question, il y avait moyen de résoudre ou pas? Oui, non, 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 oui, non, non, oui, non. Ok, bah les mecs, c'est bien, vous êtes tous au courant, ouais. Tu as déjà oublié à quoi servent les dalles vertes? Lorsqu'elles jouent un son, tu affrontes un monstre. Et Trésor, ce monstre, c'est moi. Alors attendez, parce que là, faut réfléchir sur mes tâtons, là. J'ai installé une dernière chose sur téléphone. Tu vois le gros bouton jaune? Va dans le menu action du téléphone et appuie dessus. Vous appuyez sur le bouton jaune, le téléphone entre en résonance avec mes tâtons. Ah, cette aura jaune! What? Vas-y, appuie sur Z. Oh, 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 oh! Tu m'as vaincu! Comment est-ce possible une telle puissance? Attends, c'était ça le combat? Les mecs, je crois que tu l'as eu. T'as fait du super boulot, tu sais. C'est grâce à toi. Il m'a fait un cœur, là. Quoi? Oh non, enfin, c'est toi qui faisais tout, quoi. De mon côté, j'ai juste bidouillé. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Je peux te dire un truc? Avant de te rencontrer, je... J'aimais pas vraiment qui j'étais, tu vois. Et depuis pas mal de temps, je me trouvais un peu inutile. Et incapable de faire quoi que ce soit sans laisser tomber tous les autres. Mais le fait de t'aider, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux à mon sujet. Et enfin, ouais, bref, on arrive bientôt au noyau. C'est juste après l'hôtel.